Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'aimerais t'annoncer le message qui peut sauver ton âme de ce feu éternel qu'on appelle l'enfer. Car les jours de l'homme sur la terre, elles sont limitées. 50 ans, 60, 90, 105, et après tu pars. L'homme a été créé par la main de Dieu. Dieu est l'auteur de la vie. L'univers a été pensé par l'être le plus intelligent que l'univers enferme. Le soleil a été créé par lui. La lune a été créée par lui. Ton cœur a été créé par lui. Et souvent tu peux crier à lui en disant « Oh mon Dieu !» C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Laisse-moi te dire qu'il t'aime. Oh oui. Il veut se révéler à ton cœur. Il veut parler à ton cœur. Car le monde actuel est en train de se détruire, mes amis. À cause de qui? L'humain. Le responsable de l'état mondial, c'est l'humain. C'est pas le créateur. Car le créateur a donné sa parole aux hommes. Afin qu'on puisse être amour les uns vers les autres. Il n'y a plus l'amour dans le monde. Il n'y a plus la justice. Il n'y a plus l'intégrité. Il n'y a plus la fidélité. La Bible a été donnée par le Seigneur. Il a envoyé des hommes parler, témoigner de sa véracité. Il y a 10 ans, j'étais un grand pécheur. Je buvais, j'étais adultère, je mentais, je forniquais. J'ai fait ma femme avortait. Je couchais à gauche, à droite. Je mentais, triche tout ce que tu veux. Mais Jésus qui a marqué l'histoire. Regardez l'histoire. On dit avant, après Jésus. Il est vivant. C'est le seul qui a vécu la mort. Le pire ennemi de l'homme. Même Johnny est mort. Il était riche. En vérité, l'argent, les biens matériels n'assurent pas le paradis. Ou ne protègent pas de la mort. Même ton maquillage, là, ton fauteuil là. Ton fauteuil. En gros, tu mets un masque pour paraître beau, pour paraître belle. J'aimerais te dire que tu es pécheur, tu es pécheresse. Et Jésus est mort sur la croix pour pardonner les pécheurs. De quoi? De leur sodomie, de leur viol, de l'inceste. Aujourd'hui, regardez le monde. Les humains tremblent devant Corona. Un virus jamais vu de l'œil physique. Mais tu as la foi en Corona. Le masque, les mains nettoyées. Parce qu'il est invisible. Dieu aussi est invisible. Pourquoi tu crois en Corona et pas en Dieu? Bizarre, non? Laisse-moi te dire qu'il t'aime. Et il veut t'ouvrir les yeux à travers ce message. Te dire que le monde est plongé dans le péché, l'adultère, le divorce, le viol, le meurtre. Mais pas que c'est la fin, mes amis. Que tout ce que la Bible dit, on le voit devant nos yeux, en train de s'accomplir. À 12 ans, il n'y a plus de virginité. À 15 ans, les femmes s'habillent nues. Et Jésus veut te sauver. Ça va? Ah oui. Nous vivons des temps critiques. Repentez-vous de vos péchés. Et acceptez celui qui t'a créé, mes amis. Jésus-Christ. La vie éternelle. Ah oui, mes amis. Jésus est la vie. Pourquoi, madame? Non, je connais, je sais déjà. Oui, je connais déjà. Ouais, Jésus est vivant. Bonjour tout le monde. Bonjour aux blancs, aux arabes, aux noirs, aux gitans. Peu importe ta couleur de peau, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Laisse-moi te dire que tu as de la valeur. Parce qu'on a été créé par le Seigneur. Et cet après-midi, je veux te dire que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes en train de vivre la fin devant les yeux. Et la fin des temps est caractérisée par quoi? Par le mal. L'augmentation des choses qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on ne voyait pas des gens s'habiller à poil. Non. On voyait pas des meurtres dans les rues. Plus les années passent, plus le mal augmente.
Parce que l'homme refuse son créateur. De ce fait, le diable, eh bien, il t'enfonce dans le péché. La masturbation, la sodomie, le viol, la fellation, l'inceste, la transsexualité. Regardez votre état, les humains. Hein? Il y a un créateur qui existe et il t'aime. Il veut t'amener dans son royaume, le paradis, comme beaucoup vont chanter. Oh, on ira tous au paradis. C'est faux, ça c'est faux. On n'ira pas tous là-haut. Hein? Non. Parce que le bon Dieu va juger les mauvais. De quel camp tu es, bon ou mauvais? Ne me dis pas d'être tué personne. Le mensonge suffit d'être mauvaise ou mauvais. Tricher, forniquer, insulter ta maman. Il y a des jeunes filles, ta mère, tu dis des gros mots à ta mère. Arrête ça. Dieu nous demande d'obéir à nos parents et d'être respectueuse ou respectueux envers tes parents. C'est important. Voilà pourquoi, mes amis, ce soir, dans cet après-midi, je veux te dire que nous sommes dans un monde qui est dans la confusion. Comment se fait-il que la cigarette, les gens la fument? Les gens fument la clope, mais ils ont peur de Corona. C'est bizarre, quoi. Bizarre. Comment tu peux fumer la clope qui est écrit fumais-tu et t'as peur de Corona? Ben, t'es chelou. C'est bizarre, non? C'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Ouvre tes oreilles, hein. Tu rentres du boulot comme toi. Je suis marié, des enfants, t'inquiète pas pour ça. J'annonce simplement la vérité, l'évangile, mes amis. On va mourir un jour, hein. Mais après la mort, où tu vas? Je t'assure, la Bible ne ment pas. Le Seigneur dit dans la Bible que tous ont péché. On a tous péché ici. Qui n'a jamais menti? Levez la main. 1, 2, 3. On a tous menti. On a tous dit un gros mot ici. Vrai ou faux? On a tous triché. On a tous fait les antisèches à l'école, là, dans les pieds, tout ça. Vrai ou faux? On a tous fait croire aux enfants, pas moi, mais croire aux enfants que le Père Noël passait par la cheminée. C'est la vérité ou c'est le mensonge? C'est quoi? C'est quoi? C'est le mensonge. Merci. J'aimerais te dire qu'on a été créé par la main de Dieu. On n'a pas évolué. Le singe est courbé. Le singe mange des fourmis et il n'est pas beau. Ah, il n'est pas beau. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Toujours courbé. Toi, tu as été grand. Comment l'homme a cru à ses bêtises? On a évolué. On vient du singe. Une explosion aurait créé le soleil, la terre, les océans, les baleines, l'arc-en-ciel. Vous voyez pas que l'homme est devenu fou? Que quelqu'un crée ce train? C'est comme si j'arrive dans ce train, je dis que le train explosait, le train s'est mis sur les rails. Comment allez-vous me prendre? Comment allez-vous me prendre? Si je viens dans le train et crier que le train explosait et que le train s'est mis sur les rails tout seul, tu me croiras ou pas? Tu vas pas me croire. Tu vas dire, mais il est bizarre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le train explosé? Eh bien, c'est ce que vous nous faites. C'est ce que beaucoup nous font croire. Que la terre a explosé, la vie est venue, le sperme est venu, l'ovule s'est formé. Mais mon ami, le pancréas, le côlon, l'anus, tout ça est venu par hasard. Honnêtement, il y a 10 ans en arrière, je savais que Dieu existait, mais je ne le connaissais pas. Je mentais, j'avais ma femme, je la trompais tout le temps. Je trichais, j'étais raciste, tout ce que tu veux. Boucle d'oreille dans les oreilles, lox, boîte de nuit, zouké les filles, yo. Mais quand la maladie a failli me tuer, mon ami, c'est là que tu crois, mon Dieu. Hein? Ah, mon Dieu! En plus, beaucoup croient pas en lui. Même les athées, mon Dieu! C'est bizarre, non? Les athées, pourquoi criez-vous, mon Dieu? Ben parce qu'il a mis son empreinte dans ton cœur. Comme Picasso, il fait le tableau, il signe Picasso. Il a mis son empreinte dans les cœurs de tous les humains. Ah ben oui, il est trop puissant. Et c'est écrit dans la Bible. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est lui qui est éternel. C'est lui, le Seigneur. Et il y a 2000 ans, il est venu pour nous montrer la droiture, la vérité, l'amour. Ne pas dire des gros mots. Jésus a dit zéro gros mot. Et on dit après, avant Jésus. Mes amis, tu vois pas, c'est une signature qui est là. Une signature. Ah ben oui. Il y a 10 ans en arrière, j'ai failli mourir.
Mais attention, moi, t'as plus de 20, 25 ou je sais pas. Très haut. Les médecins m'ont dit, on sait pas qu'est-ce que tu as. Je sentais que j'allais mourir. Eh oui, il y a des maladies d'origine démoniaque que les machines ne peuvent pas détecter. L'humain est limité. Je t'assure que les démons existent. Ils existent. La preuve, vous les adorez à Halloween. Halloween. Vous les adorez à Halloween. Ah, ils existent. Ils sont invisibles. Mais ils sont visibles parce que dans vos cœurs, ils y habitent. Dans tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Le Saint, en gros le Saint. C'est-à-dire qu'il te pousse à faire le bien. Mais l'esprit du diable, oh là là, regardez l'état du monde. Meurtre, avortement, viol. Hommes et hommes peuvent coucher ensemble par derrière. Alors que le derrière a été créé pour faire caca. Je parle terre à terre et crûment. Parce que ça choque plus personne, je crois. C'est vrai ou c'est faux? C'est chaud. Est-ce que je mens? C'est la vérité. Est-ce que le Créateur aurait créé deux hommes? Si il aurait créé deux hommes, est-ce qu'on serait là? Eh ben non. Ah ben non. Donc l'amour qu'ils font là, c'est un amour bon ou diabolique? Diabolique. Mais je les aime, attention, je les aime. Voilà pourquoi je leur dis ce message, Jésus vous aime, il peut vous délivrer. Parce que quand tu vois deux hommes, il y a un qui joue l'homme et un qui joue la femme. Mais ils savent que là-bas, c'est homme et femme. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver du péché que Adam et Ève ont commis. Adam et Ève ont péché. C'est pour cela que la terre est dans cet état, mes amis. Je vous dis la vérité. Le sang de l'homme a été contaminé par le péché, pire que le sida. Et il nous fallait un vaccin. Qu'est-ce qu'il me raconte? Quel vaccin? Eh bien, il fallait un vaccin pour que tu arrêtes de pécher, de dire des gros mots, de mentir, de te masturber, de tricher, de frapper ta femme. Ah oui, il fallait un vaccin. Et ce vaccin, je l'ai reçu. Voilà pourquoi je ne trouve plus ma femme. Je ne dis plus gros mots. Je suis plus raciste, j'aime les Arabes, les Blancs, les Noirs, les Chinois, peu importe, je les aime. Et d'un amour inconditionnel, pas par intérêt comme beaucoup dans le monde, qui se marient parce qu'elle est belle et qu'elle vieillit, ils divorcent. Et ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi ce vaccin, qui est-il? Eh bien, ce vaccin, c'est Jésus. Ah ben oui, sur la croix, voici l'amour de Dieu. La croix, c'est comme si ton fils ou ta fille tombe dans la Seine. Qu'est-ce que tu ferais? Tu vas plonger. Eh bien, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a plongé sur la terre. Il est descendu. Jésus est venu afin que tu arrêtes de fumer. Parce que tes poumons, attention. Bah oui, Jésus est venu payer de sa vie en sacrifice expiatoire pour ôter nos péchés, le sacrifice qui ôte nos péchés. Madame et messieurs, je vous assure qu'on vit la fin. Le Créateur va revenir. Jésus va revenir pour juger la terre, juger les nations. C'est pour cela, toi qui entends ce message, la solution, ce n'est pas le catholicisme. La solution, ce n'est pas ta religion. Ta religion ne t'a pas changé. Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est une relation avec le cœur de l'homme. La preuve des religions, c'est quoi? Vous priez des statues. Vierge Marie, Saint Paul, tu m'entends là-haut? Comment tu peux prier des briques, mes amis? Pourtant, dans la Bible, le Créateur nous a défendu d'adorer les images taillées. La religion, regardez la religion. Si la religion était bonne, il y aurait l'amour, mes amis. Mais il n'y a pas l'amour. Il y en a qui sont polygames, ils ont 4 femmes à la maison. 10 femmes. Alors que Dieu a créé Adam et Ève. Hommes et femmes, repentez-vous. Hein. On meurt même jeune. Hein. Attention, la mort, ce n'est pas que pour les vieux. Je vous assure que dans ce monde, il n'y a pas d'espérance. Ta retraite va durer 2 ans peut-être. Non, c'était pour eux. Tout est éphémère. C'est pour cela que le Seigneur Jésus permet que j'annonce ce message dans ce wagon, afin que vous soyez réveillés, afin que vous soyez restaurés. Même les tatouages, c'est péché, ça, c'est ça. C'est écrit dans la Bible. Tu ne te feras point d'incision sous la peau.
Pourquoi il y a les tatouages? Ben parce qu'on a vu Johnny, on a vu Neymar faire un tatouage. En fait, l'homme reproduit ce que les stars pratiquent. Non, ah oui, c'est vrai. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Regardez le monde, les gens ont peur de vieillir. Ils font le botox, ils font la chirurgie. Mais pourquoi? Ils ont peur d'affronter la vie. Mais c'est, tu vas vieillir quand même. Même si tu parais jeune, la mort ne regrette pas la beauté. La mort, c'est un démon. Et elle tue tous les jours des milliers de personnes. Et toi, et moi, quel sera le jour de notre départ? Quand les gens décèdent, les humains crient RIP. Retour impossible au pays pour moi. Retour impossible au pays. Retour impossible au pays. Voilà pourquoi toi qui vis ce soir, cet après-midi, repentez-vous. Abandonne le petit copain que tu as. Abandonne la fornication. Les petits copains. Tout ça, c'est le péché. Petit copain. Jésus est venu pour donner la vie aux hommes. Qu'ils soient délivrés du mal, du mensonge, de l'orgueil, l'alcool, l'ivrognerie, la masturbation, l'inceste. Quittez le péché, mes amis. Quittez le péché et venez à Jésus. Et vous serez affranchis. Et vous aurez la vie. Vous aurez le pardon de vos crimes. Qui a déjà avorté ici? C'est un meurtre. Hein? C'est un meurtre. Même toi, Marie, tu es complice d'un meurtre. Il faut demander pardon à Jésus. Vous serez sauvé. Au revoir. Je vous aime, Jésus. Je vous aime beaucoup. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour à tous. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que le Créateur est vivant et que l'espérance que l'homme doit avoir, eh bien, c'est dans le Créateur de l'univers. Ta foi doit être bâtie sur le Créateur, non dans ton argent. Ne bâtissez pas vos vies dans l'argent, dans ton travail. Ce sont des choses qui sont éphémères, mesdames et messieurs. Tu vas mourir et ton travail va rester. Tu mourras, ta voiture va rester. Tu mourras, ton mari va chercher une autre femme. Ah oui. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai. Elle va pleurer deux jours. Le temps va sécher ses larmes. Je vous dis la vérité. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie éternelle. Qu'après ta mort sur la terre, que ton âme aille au ciel. Même les riches meurent, grand fou. Pauvres et riches, ils meurent pareil. Vous ne voyez pas qu'on n'est pas différent? On n'est pas différent? Voilà pourquoi la vie que tu mènes sur la terre est-elle agréable à celui qui t'a créé. Même si tu ne crois pas en lui, sa loi morale est en toi. Tu es menteur. Tu sais que mentir, c'est un mal, c'est un péché. Tu es marié, tu commets l'adultère. Pourquoi tu te caches? Parce que ce n'est pas bien. La loi morale, les 10 commandements que le Seigneur a mis en nous, tu ne tueras pas. Quand tu tues là, quand tu fais des avortements, tu te caches. Ah oui, c'est mal. Les petits copains que tu as, il faut se marier pour coucher avec quelqu'un. Le rapport sexuel est dans le cadre du mariage. Je t'annonce la vérité du Créateur. Hein. Je ne te mentirai pas ce après-midi. Tu as quel âge? 45 ans. Adultère, au moins 30 adultères. 30 fois tu as trompé ta femme. 30 fois. C'est écrit au ciel. Tu penses que tu vis ta vie comme tu veux. Oh, j'ai la santé. Oh, nanana. Quand tu vas mourir là, les démons vont prendre ton âme là. Et ils vont t'emmener dans ce lieu spirituel. Hades. Eh, ça, mais c'est pas un jeu. Hein. Et là-bas, il y a qui en enfer? Les alcooliques. Les sodomites. Les hommes qui ont couché par là-bas là. Alors que Dieu a créé les fesses pour faire caca. Continuez comme ça. Continuez. Je fais ce que je veux. D'accord, continue. Mais regardez la terre. Dieu a toujours jugé. Il a frappé l'Égypte. Il a jugé Sodome et Gomorrhe. Il a frappé par le déluge.
Et après, il a mis l'arc-en-ciel pour dire aux hommes, c'est pas le déluge, c'est l'alliance avec vous. C'est l'alliance que je fais avec vous. Comme quoi, il n'y aura plus le déluge. Bon, il a mis l'arc-en-ciel là, quand il pleut là. C'est Dieu qui l'a fait. Les couleurs qui apparaissent, fou. Mais les humains diront quoi? C'est le hasard. Hypocrite. Et les mêmes vont crier, mon Dieu, demain. Oh mon Dieu! Ah! Mon Dieu! Et sont athées. Mais non. Je te dis la vérité. Le paradis existe. Voilà pourquoi il faut arrêter de suivre Rihanna. Elle te conduit dans la nudité. Arrête de suivre Beyoncé. Elle te rend nue. Regarde comment tu t'habilles aujourd'hui là. Les femmes sont comme bois de boulogne. Elles sont nues. Même quand il fait froid. Toutes leurs fesses sont dehors. On aurait dit un zoo sexuel de génération. Et Jésus veut entrer dans ton cœur par son Saint-Esprit et t'apprendre la pudeur. Est-ce que c'est faux tout ça là? C'est des bonnes choses que je dis. Mais tout ça c'est écrit dans la Bible. Quand tu tombes enceinte, il faut accoucher. Pas d'IVG. Pas de meurtre. Ah oui, les femmes, hein. L'avortement là, hein, mon ami. Le Seigneur voit tout, hein. Celui qui a créé la terre, les étoiles, les océans. Tu penses qu'il est petit? Assieds-toi. Imagine comment la terre, elle est complexe. Le corps, comment il est complexe. Imagine-toi celui qui a donné la vie, là, mes amis, là. Hein? Oh là. Il a créé le sperme, l'ovule. Dès qu'il y a rencontre, bout de sou. Waouh! Donc un tétard, on était des tétards avant. Et on l'a grandi, on est venu au monde, t'as crié nié. T'as eu 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et on t'a fait croire que l'homme vient du singe. Mais le singe est toujours courbé. Le singe est courbé. Moi j'ai 3 enfants. Ma femme n'a pas accouché. Elle n'a pas accouché des macaques. Mais des humains. Je te mets au défi. Accouche à macaque. Toi qui es athée. Toi qui crois au Darwin. Accouche à macaque. Tu verras. Tu vas le cacher dans la cage. Dans une cage. C'est vrai ou c'est faux? Aucun homme dira, oh c'est normal, c'est notre ancêtre, oh, c'est normal. Aucun. C'est vrai ou c'est faux? C'est terrible ça. En plus ce macaque il est moche en plus. Et je vois des blancs aux yeux bleus, ils sont beaux. Ils disent que mon ancêtre, c'est le singe. Mais ils sont possédés mes amis. Ils ont Master 40. Et la terre, je ne comprends pas pourquoi la terre va mal. Pourquoi la terre c'est le chaos? Pourquoi les gens fument la cigarette et ils ont peur du corona? C'est la folie. Fumer, tuer et fumer. Et ils ont peur du corona. C'est terrible. Ils ont peur du corona. Mais ils fument la clope. Mais c'est la folie. Ces choses, c'est la folie ou pas? Ça n'a pas de sens. C'est écrit clairement fumer tu. Corona si tu. Mais ils ont plus peur de quoi? Corona. Et les bureaux de tabac sont ouverts. C'est vrai ou c'est faux? Je vous assure, le paradis est réel. Repentez-vous dans ta chambre. Pas le Seigneur. Prends la Bible. Je t'assure, ne va par contre dans aucune religion. Ah, c'est la bonne nouvelle ça. Aucune église, aucune mosquée ne va changer ton cœur. Tu dois avoir cette relation de cœur à cœur avec ton Créateur. Vous avez déjà crié au mon Dieu? Levez la main. Ceux qui n'ont jamais crié au mon Dieu, levez la main. Levez la main. Vous avez crié mon Dieu ou pas? Vous avez crié mon Dieu? Ok. Vous avez crié mon Dieu? Vous avez crié mon Dieu? T'as jamais dit au mon Dieu? Bah si. Et toi? T'as jamais dit au mon Dieu? Oh mon Dieu! Oh my God, comme tu veux. Oui ou non? Oui. Et vous? Oui. Et vous? Avez-vous déjà crié au mon Dieu? Non, on le sait. Avez-vous déjà crié au mon Dieu? Pourquoi on crie au mon Dieu à votre avis? Hein? Mes enfants, quand ils font un cauchemar, papa! Ils crient au géniteur. Quand on grandit, on ne dit plus papa. Ce monsieur, papa dit qu'il ne va pas crier papa. Il va crier à qui? Mon Dieu! Son vrai père qui est là-haut là. Eh ben oui, monsieur. Ah ben oui! Vous rigolez! Il est réel, Jésus. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Bien sûr. En fait, tous les humains savent qu'il est. Tout le monde sait qu'il existe. C'est impossible avec ton intelligence. Parce qu'on est quand même intelligent en tant qu'humain. Même si tu n'as pas Bac plus 40, tu es quand même intelligent, je te rassure. Parce que ce sont les humains qui ont fait croire que pour être intelligent, il faut avoir Master, je sais pas quoi, 1.0. Mon ami, faut arrêter ça. Pourquoi les gens fument la cigarette alors? Pourquoi les diplômés fument?
C'est vrai qu'ils ont un problème d'intelligence. Et quelle intelligence? Celle du Seigneur. Ils sont racistes. Regardez comment ils sont racistes. Regardez comment les gens sont fâchés aujourd'hui. On n'aime pas les noirs. Pourtant, on a du sang rouge dans le corps là. Coupe-moi ici là. Ils ont du sang rouge. Comme toi qui es blanc ou beige, comme tu veux. Mais on n'aime pas les Arabes. On n'aime pas les Ré. Mais mon ami, mais t'es qui toi? Alors que la vie a commencé en Éthiopie. En Afrique que tout a commencé. Bah oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. L'Afrique là, elle est pillée parce qu'elle est riche en minerais. C'est grâce à l'Afrique que le monde entier survit au niveau de tout ce qui est matériaux, nourriture, tout ça. C'est piqué là-bas. Bah oui. On regarde un Super U là. Les fruits là, Côte d'Ivoire, les mangues, Guadeloupe, nanana, ça sort de là-bas, mes amis. Mes amis, le Seigneur a créé les bananes, les mandarines, les clémentines, et tu aimes ça, gros, tu aimes ou pas? Oh, la fraise, elle est toute juteuse. Quoique maintenant, c'est piqué, il y a plein de chimiques, c'est plus de goût, il n'y a plus de goût. Mais au paradis, les fruits auront leur vrai goût. Lisez la parole du Seigneur. Jésus va tout restaurer, et la terre que nous sommes actuellement. Dans Apocalypse 21, c'est écrit quoi? Que Dieu va la détruire. Et tous ceux qui vont se repentir accéderont au paradis. T'as quel âge? 70 ans, c'est le moment de te réconcilier avec lui. T'as quel âge? Parce que plus tu montes là, plus tu souffles sur les bougies. Oh, c'est mon anniversaire. Chut, mais comment tu peux être content? Comment tu peux être content? C'est un jour en moins pour toi sur la terre. Et je vois les gens crier, mon anniversaire, on fait une boum, on fait la boum, c'est mon anniversaire, mais c'est un jour de moins pour toi. Jésus, il veut te donner de l'intelligence. Si tu trompes ton mari, il faut te repentir. Il ne te voit pas, mais lui là-haut, là. Aïe, 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 il n'est pas myope, hein? Il n'a pas de lunettes. Il voit la Chine, il voit toute la terre, il est puissant, mes amis. Jésus-Christ, le nom du Seigneur, le nom du Sauveur, c'est Jésus. Et quand je l'ai rencontré, il m'a guéri de la maladie. Il m'a guéri du péché. Je ne trompe plus ma femme. Ça fait 10 ans que je ne la trompe plus. Tu peux être Rihanna, tout ce que tu veux. Je vais te rembarrer. T'es qui toi? Tout ça c'est vanité. J'ai retiré mes boucles d'oreilles. Mais là, j'ai tout retiré mes amis. Parce que Jésus a bouleversé ma vie. Oh mes amis, à lundi, si Dieu vous prête la vie, voilà ce qu'il faut dire. Ah ben oui. À demain, si le Seigneur me donne le souffle de vie. Bon courage, madame. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom le plus. Oui, ça va aller. Jésus est le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Crie à Jésus, jeune homme, dans ta détresse. Il va te secourir, madame. Jésus-Christ est la vie. Il veut te sauver, madame. Alléluia. Crois sa parole et tu auras la vie éternelle. Nous sommes dans un temps où les humains ne croient plus au Créateur. Ils ont la foi en Johnny Hallyday qui est mort. Johnny ne parle plus, hein. Ça va? Gentil, quand il est Guadeloupéen, hein? Nickel. Maintenez. Jésus existe, il est vivant et il t'aime. Prends lui, fais la paix avec lui, il va ôter tes péchés, il va te restaurer, il va te donner l'amour, il va t'ouvrir les yeux véritables sur lui, sur sa personne, et tu verras que il n'est plus rien que tu le penses. Il est vivant, mon ami. Il t'entend tous les jours. Tous les jours, ton cœur bat. Eh bien, tous les jours, ses yeux sont sur toi. Rien ne lui échappe. Il voit toute la terre simultanément. Est-ce que tu comprends cela? C'est pas contre. En fait, humainement parlant, on ne peut pas comprendre cela. C'est incompréhensible. On a été créé, mais lui, il n'a pas de commencement. Nous, on peut dire, mais comment ça se fait? Parce que nous, on a eu un commencement. Lui, il n'a pas de commencement. Il est venu sous forme humaine il y a 2000 ans pour nous sauver. Croire en lui. Jésus, 2000 ans après, on parle de lui encore. C'est pas passé. Et il touche encore des gens. C'est parce qu'il est vivant. Avant, j'ai le chien, tout ça, j'ai laissé le chien.
les meufs, tout ça, j'ai tout laissé. Jésus, il est puissant, mes amis. Ah oui, et il veut te réveiller, il veut te sauver, frère, je te dis. Si tu meurs dans tes péchés, tu vas en enfer. Tu te repens, tu crois en lui, il va te pardonner, il va te sauver. Voilà la grâce du Seigneur. C'est pas qu'on va mourir, on va voir après. Ça commence là, c'est vivant. Tu comprends? Tu fais l'expérience. Seigneur, révèle-toi à moi. Parce qu'on vit notre vie, on va au travail, on boit, on mange. Les gens attendent la terrasse. Il faut la terrasse. Oh. C'est ça la vie. La réelle vie commence après la mort. Soit l'enfer pour les menteurs, les pécheurs, les alcooliques, les violeurs, les meurtriers, ou soit le paradis, le royaume des cieux, pour ceux qui feront la paix avec le Seigneur. Ils seront sauvés. Tu vois? Fais l'expérience. Toi-même, tu vas comprendre de quoi je parle. Quand tu touches, quand Jésus-Christ touche ton cœur, il te révolutionne. Il bouleverse ton cœur. Il te ramène à son cœur d'amour. Il est terrible. Comment? J'avais donné ma Bible à quelqu'un qui en avait besoin, mais je m'en rachetais une. Tu as acheté une Bible encore? Tout de suite. Oh Seigneur Yeshua. Alléluia. Jésus-Christ vous aime. Repentez-vous du péché. On peut dire des gros mots, hein? Après la mort, c'est l'enfer pour les pécheurs. Et le royaume des cieux pour les hommes et les femmes intègres qui ne disent pas des gros mots à leurs parents, qui ne couchent pas en mariage, qui ne se masturbent pas, qui ne trichent pas, ceux-là iront au ciel. Ceux qui ont fait la paix avec Jésus. La mort existe. Le péché vous condamne. Là, les films porno que tu aimes. Attention, les films porno, là, c'est l'enfer, ça, mes amis. Hein. Et tu es dedans, peut-être, tu es dedans. Eh bien, si tu meurs comme ça, ben, tu vas brûler pour l'éternité. Parce que Jésus est saint. Oh oui. Voilà pourquoi il veut parler aussi à la jeunesse. La jeunesse, arrête de suivre Bouba. C'est un voyou. Arrête de suivre les stades télévisés. Venez au Seigneur. Parce que Jésus est mort pour tes péchés. Il veut te pardonner, jeune homme. Jésus est la vie. Mes amis, on ne vit qu'une fois dans ce monde. Une fois tu vivras. Pas deux, hein? Une fois. Si tu rates la vie éternelle, tu vas en enfer. Tu sais quoi l'enfer, mes amis? La séparation éternelle d'avec le Créateur. Lève ta main. Où veux-tu aller après la mort? Levez la main. En enfer ou au ciel? Où veux-tu aller? En enfer ou au paradis? Paradis. Paradis? Ben oui. Mais pour y aller au paradis, il faut payer un prix. Ouais, faut faire quoi? Faut faire quoi? Faire des bonnes actions. Pas seulement ça. Il faut avoir la foi déjà en celui qui t'a créé, le connaître. Personnellement. Pas mécaniquement en faisant des prières répétées et après ta vie ne change pas. Il faut arrêter ça. La religion ne change pas les cœurs des humains. Regardez pas votre vie aujourd'hui. Si la religion était bonne, t'aurais pu mentir. Oui, quoi? Comment il fait? Lui, il est musulman, comment il fait maintenant? Ben en fait, il n'y a que la Bible qui sauve, il y a un seul livre. T'es musulman toi? Et t'as des boucles d'oreilles, tout ça, wesh wesh. Mais il y a un problème. Quand tu rencontres Jésus, il n'y a plus de wesh wesh. Plus de boucles d'oreilles, plus de rap, plus de booba. Plus de fun de coucher avec les filles. Moi je couche avec les filles, moi. Masturbation, tout ça, les gros mains. Il faut rencontrer Jésus. Et Jésus va t'apprendre à respecter tes parents. Attention, ça commence comme ça à croire au Seigneur. Respecter ses parents. Est-ce que tu respectes tes parents, toi? Réponds à la question. Ta mère te parle. Oh, vas-y. T'es sérieux ou quoi, là? Attention. Jésus revient. Tu peux être musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux. Tu dois connaître Jésus, mon ami. C'est Jésus la vie éternelle. C'est Jésus qui sauve. Croyant sa parole, tu ne pourras plus mentir, plus mentir, plus voler. Il aime Jésus, mon ami. Il aime tout le monde, Jésus. Il vous aime. Les jeunes, arrêtez le rap. Arrêtez de zouker sur le sexe. Ah oui les jeunes, arrêtez Beyoncé. Elle t'a bras tenu. Mets tes fesses dehors, tout ça là. T'habilles correctement. T'aimes Jésus. T'es antillaise? C'est quoi? Malgache. Malgache. Faut prier Jésus toi. T'aimes Jésus. Vous donnez un vrai mari, pas les petits copains, un vrai mari. Les jeunes, priez Jésus. Priez Jésus.
t'aime Jésus. Il t'aime Jésus. Bon courage. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il est la vie, hein. Tu connais Jésus? Tu connais Jésus? C'est qui Jésus? Je l'ai vu au carrefour. Comment? Je l'ai vu à l'église. À l'église? Mais tu sais qu'il est plus qu'à l'église, il est au ciel. Et il veut habiter ton cœur. Bah oui, le tien. Il veut être ton chéri d'amour. Ah oui, ton ami. Parce qu'il t'aime. Tu crois en Jésus? Non. Tu crois en quoi? Je suis athée. T'as déjà crié au mon Dieu ou pas? Bah oui, bah en fait oui. En fait, si t'as crié au mon Dieu, c'est que tu t'adresses à quelqu'un que tu crois pas. Et il existe, et il t'aime. Et sa parole, c'est la Bible, c'est pas une religion. C'est pas de faire des religions tous les dimanches, tous les samedis. Bon, on va aller. C'est pas ça. Il veut te parler tous les jours, dans ton cœur, au travail, à l'école. En fait, Dieu va habiter sur le corps de l'homme. Qu'est-ce qu'il a créé? Qui t'a créé, toi? Dieu. Dieu, alléluia. Donc forcément, il veut habiter où est ce qu'il a créé. Qui a créé les bâtiments d'église? Dieu. Non, les bâtiments, là, les briques. Hein, ils ont mis les briques, qui a fait ça? C'est Dieu a créé. Non, les humains. Oui, mais est-ce que Dieu a créé? Non, en fait, Dieu veut plutôt habiter ton cœur qu'habiter les briques. C'est toi qui le désires. Ah oui. Et là, on vit la fin des temps. Il revient bientôt. C'est la fin. Le mal augmente. Les signes de son retour, c'est le mal qui augmente. Le diable pousse les humains à se tuer entre eux. T'as pas vu les meurtres partout? Ça augmente de plus en plus. Les gens sont toujours nus partout dehors. Il n'y a plus de pudeur. Ben, ils sont nus aujourd'hui, les gens. Hommes et hommes, les gens couchent entre hommes et hommes. Alors que Dieu a créé Adam et Ève. Donc l'homme est à la renverse. Eh oui. Voilà pourquoi la terre va mal. Parce que l'homme ne connaît pas son créateur. Et le créateur du monde s'appelle Jésus. Il n'est pas myope. Un stigmate, il voit tout le monde. Et si vous mourrez dans vos péchés, ça amène où le péché? En enfer. En enfer. D'ailleurs, on le sait tous. En fait, c'est écrit en nous. Mais Jésus est mort pour nos péchés afin de tous nous pardonner. D'accord? Il ne faut plus avoir des petits copains, je ne sais pas. Il faut, voilà, des petits copains, tout ça. Il faut mentir, tout ça, le monde, les bois de nuit. Que Jésus, voilà. Les louanges. Et ça va faire du bien à l'être intérieur, ton âme. C'est pas Dieu. Quoi? C'est pas Dieu. Tu comprends? Pas de mensonges, pas de gros mots, ne pas fréquenter les mauvaises compagnies, les gens qui trichent, tout ça, c'est par toi d'eux. Ah, tu les connais? Oui. Ils sont allés connaître toi? Malheureusement. Ah, ils font des bêtises? Non. C'est pas bien, on les est enfants. On est plus sages qu'elle. Ah là là, les jeunes, faut prier le Seigneur. Vous avez quel âge déjà? 15 ans. Faut prier Jésus, il vous aime. Ça fait longtemps que je parle à la messe. Non, faut pas aller à la messe justement. Jésus, il nous parle à ton cœur. Oh, ça va être chaud. Allez. Bon courage. Bon courage, les jeunes. Travaille à l'école. D'accord? Pas d'antisèche. C'est bien, c'est bien. Que quelques paragraphes, je me suis intéressé à son histoire, à Jésus, à différentes fêtes. Ouais. La fête de Pâques, tout ça. Ouais. Est-ce que tu penses que la Pâques, c'est la Pâques qu'on voit aujourd'hui? Non. Ah ouais. Mais normalement, c'est la résurrection de Jésus. C'est pas de chocolat. Il n'y a pas. Il n'y a pas de chocolat. En fait, la Pâques, c'est la mort en fait, de Jésus-Christ. En fait, il est mort pour nos péchés. C'est notre Pâques, Jésus. En fait, ça veut dire que si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, comme Seigneur et Sauveur, et que tu vis selon sa parole, quand tu vas mourir, là, il va prendre ton esprit, va t'emmener au ciel, en attendant ta résurrection. Donc, tu seras dans la paix là-haut. Notre vraie identité, elle est en nous, c'est notre âme. Ça, c'est qu'une enveloppe qui habite ce corps qui nous fait marcher. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi quand on décède, ben c'est l'âme qui part. Tu vois. Et Jésus veut sauver notre âme. Il veut la purifier. Parce que tous les péchés qu'on a faits, eh ben ça salit notre âme. Tu comprends? Et Jésus, l'amour qu'il a eu pour nous, c'était la croix. Il nous a tellement aimés comme un bon papa, un grand-père, qu'il est venu porter nos péchés sur la croix. Afin qu'on soit sauvé par grâce. Il nous fallait un sacrifice pour être pardonné, en fait, tu vois. Pas une religion. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est la religion. Non, c'est le sacrifice de Jésus-Christ
qui nous sauve, c'est notre Pâque. Donc c'est déjà bien que tu comprennes que la Pâque là c'est du pipeau. Oui, avec des lapins qui prennent des œufs. Même Noël. Même Noël, c'est toi, c'est bien. C'est cadeau, mais c'est pas ça. C'est pas ça là. Ah ouais. C'est la mission de Jésus, ça. Ouais. Enfin, c'est ce que, en fait, c'est ce qu'ils nous font croire. C'est marketing. C'est marketing. C'est de l'argent. Et Jésus n'est pas né en décembre, parce que quand il est né, il faisait les bergers étaient dans les montagnes, en train de pêcher les moutons, faire pêcher les moutons. Tu le sais ça? Oui. Est-ce qu'en hiver on peut faire pêcher des moutons? C'est impossible, il fait froid, c'est joli, ils sont cachés. Tu vois, donc tout ça c'est du pipeau. Donc ce qui va t'éclairer, c'est la Bible. Je te dis la vérité, quand tu vas commencer à lire la Bible, tu vas être choqué de la puissance et de l'amour de Jésus. Ouais. Tu vois, t'as quel âge, 15 ans? 15 ans, là, non. C'est bien que tu penses comme ça à ton âge. C'est bien. Ouais, il va se révéler à toi. En fait, toi, va vers lui. Comment aller vers lui? C'est dans ton cœur. Parle au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi, Seigneur. Conduis-moi dans la vérité. C'est tout ce qu'il faut faire au Seigneur, lui demander. Seigneur, je te donne ma vie. Prends ma vie entre tes mains. Tu vas réussir à l'école. Il va te donner des stratégies pour réussir. Je dis la vérité. Il a créé la terre et le ciel. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est le plus grand mathématicien. Il a mis le soleil à la bonne distance. J'ai besoin de Jésus pour les maths. Hein? J'ai besoin de lui pour les mathématiques. Amen. Amen. Wow. Est-ce que tu veux l'accepter de ton cœur? Ben, je l'accepte. Amen. Tu veux l'accepter? Ben, bien sûr. Amen. Tu veux ton baptême? Un baptême. Le baptême, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection. Quand on te plonge dans l'eau, tu meurs à ton ancienne vie. C'est symbolique. Mais ça ne se passe spirituellement. Tu seras dépassé de l'amour de Jésus. Ça fait deux fois qu'on se voit là. Dans le train et ici encore. Il n'y a pas d'hasard. Vous voyez? Peut-être une troisième ou une quatrième. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu veux l'accepter maintenant dans ton cœur, c'est le Seigneur? Jésus, je peux toujours accepter. Amen. Amen. Partie de moi, elle a toujours accepté. Amen. Waouh. Est-ce que tu veux que Jésus, est-ce que tu veux le Seigneur te délivre la cigarette? Tu veux? Tu veux? Non. Tu veux plus fumer? Là, je suis déjà en train d'arrêter là. Amen. C'est ma première de la journée déjà. Parce qu'avant, je fumais plus. Il a fait des efforts là. Je suis d'accord avec toi. Je prie pour toi. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux aussi, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur mon roi. Seigneur, merci pour mes frères, ces jeunes, Seigneur, qui sont tes enfants. Seigneur, je te prie, papa, de les garder. De garder leur vie, Seigneur. De conduire, papa, mon frère à l'école. Comment tu t'appelles? Alexis. Qu'il puisse avoir des bonnes notes en mathématiques, Seigneur. Je te prie, papa, de lui donner de l'intelligence. Car l'intelligence véritable, c'est toi qui la donnes, Seigneur mon roi. Tu as créé l'univers, le soleil, la lune, les étoiles. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tout est possible à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je prie qu'il arrête de fumer la cigarette, Seigneur. Je prie, papa, que ces deux jeunes, Seigneur mon roi, soient dans ta gloire, dans ton feu. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils n'aillent pas dans la religion, mais qu'ils puissent marcher avec toi, Seigneur. Car tu n'es pas une religion, tu es au ciel. Et tu veux que l'homme, papa, te suive avec son cœur, papa. Voilà pourquoi je te prie de te révéler à eux, papa. Je te présente leur vie devant ton trône, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Wow. Sois libéré de la cigarette. Je prie que tu le dégoût de la cigarette. Le dégoût de fumer. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Vous avez cru que j'étais fou au début? Au début, ouais, quand vous avez crié dans le train. Non, mais c'était un peu peur en fait, on s'est dit. Pas fou, mais enfin, t'y attendais pas, quoi. Ah ouais. Moi, je pense que les autres personnes aussi. Hein. Ouais, ouais. Mais il faut. Les gens, ils ont oublié. Waouh. Waouh. Ils ont oublié tout ça. C'est terrible ça. Ah bah, oui. Oh Seigneur. Tu penses tous les jours, toi, tout le temps tu penses? Pas tous les jours, mais. Quand tu vois le monde, quand tu vois le monde, tu penses que le monde va bien? Non. Il se passe quelque chose, hein? Il se passe quelque chose. En fait, c'est les signes du retour de Jésus. Il revient chercher ses élus. Il va juger les méchants. Pour cela, il ne faut pas faire partie de ce monde-là. Par rapport aux œuvres, je parle. Les mauvaises actions, les œuvres des humains. Le monde dit faut mentir, toi, moi pas. Le monde dit oh, tu peux fumer, toi, fume pas. C'est ça que Jésus nous demande. De ne pas suivre le monde parce que derrière le monde, il y a une puissance diabolique qui agit. C'est le diable. Il veut que tu meurs du cancer avec comment tu pousses à fumer là. Et Jésus te donne la capacité
qui va te donner la capacité, parce que sur la croix, il a crucifié la chair qui est faible. Le sacrifice de Jésus, c'est pour l'humanité. Mais peu importe ton âge, Jésus est mort pour toi. Il t'aime. Courage, il peut réparer ton histoire. Même si ça ne va pas entre tes parents, refortifie-toi dans le Seigneur. Sois encouragé en Jésus. D'accord ? Prends pas le mauvais chemin, parce que beaucoup de jeunes font ça. Et c'est là que le Seigneur nous demande aux parents de ne pas divorcer. Des parents modèles pour les enfants, pour que les enfants puissent grandir en bonne condition. Parce que dès que les parents partent, le diable, ben, il aime ça. Il n'aime pas la famille. Voilà pourquoi il veut les divorces, les tromperies, tout ça. Parce qu'il n'aime pas la souche familiale. Tu comprends? C'est une vérité terrible ce que je te dis. Moi, je suis marié aujourd'hui. Avant, je ne pensais pas à ça. Mais quand tu rencontres Jésus, il donne une directive. Là, je rentre du boulot, tu vois. Il donne une directive de vie. Et là, j'ai dans le train, ben, j'ai parlé de lui. Et ça interpelle les gens. Comme tu dis, ils ont oublié ça. Ils ont oublié. C'est important de le rappeler aussi. Ouais, tu as pensé encore là en partant? Bah c'est bon, on y a pensé. Vous avez parlé de ça aussi, hein? Ouais, un petit peu. Waouh! C'est terrible. Tu vois, c'est ça. Et demain, le Seigneur va faire de même avec toi. Que tu aies interpellé d'autres collègues à toi, d'autres amis à toi. Parce qu'il peut le faire s'il veut nous parler du ciel. On va tous s'écrouler. Tu imagines le créateur du ciel et la terre? Il ouvre le ciel, il parle à la terre. C'est chaud. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers des humains. Tu vois? Donc voilà. Donc bon courage. Et si tu veux ton baptême, fais des recherches. Qu'est-ce que le baptême selon Jésus? Tu vas savoir c'est quoi? C'est pas le baptême comme ça, tu sais. C'est pas celui-là. Hein? Quand tu étais petit, tu étais innocent, ignorant. On se baptise quand on est adulte, quand on a la conscience, tu vois. Donc en fait, le baptême bébé là, c'est pas ce que Jésus nous a demandé de faire. Tu vois? Un bébé, est-ce qu'un bébé sait parler? Il ne sait même pas c'est quoi le baptême. En gros, c'est comme si on te met dans une secte, on te force à faire quelque chose que tu sais même pas c'est quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai 15 ans. J'ai des gaillards là, pour connaître la vérité. Il y a l'intelligence pour comprendre les choses. Vous voyez? Il vous aime, Jésus. Tous les deux là, priez ensemble le Seigneur. Ouvrez ta Bible. La Bible? Ok. C'est mieux qu'Harry Potter ce livre. Harry Potter, c'est démoniaque, propre. Moi, du coup, c'est moi, j'ai l'avenir, c'est numéro un, je me suis intéressé à toutes les religions, en fait. Mais à ton avis, quel est le premier livre qui est venu? Le premier, c'était... C'est quoi le premier livre? En fait, voilà, je vais t'expliquer. En fait, le Seigneur, rapidement, il a choisi un peuple, c'est les Hébreux, qui avaient la mission de révéler, de prêcher ce nom-là dans les nations. Et Jésus ne voyait pas qu'un peuple, il voyait le monde entier. Donc, il est venu chercher ceux qui n'étaient pas du peuple élu, nous autres, en suivant le Père. Afin que je croie aussi dans le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. De Moïse. Et bien, c'est ce Dieu-là le véritable, qui a frappé l'Égypte, comme les 10 plaies d'Égypte. Tu connais ça? Un petit peu. Le jugement d'Égypte. La mer rouge qui s'est ouverte, tout ça, tu connais tout ça? Ah ouais. Tu connais ça? Dans Exode, dans la Bible, tu prenais ça dans Exode. En fait, toute l'histoire du monde entier dans la Bible, c'est le film de l'univers. Tu vois? Si tu dis la vérité, toute ta connaissance, tu l'auras dans la Bible. Toutes tes réponses seront dans la Bible. Tu vois? Tu s'enverras l'application. Tu enverras juste après lui. Ok? Bon courage. N'allez pas dans la religion. N'allez pas dans une religion. Dieu n'est pas une religion. Tu vois, il se révèle au cœur des humains. Ok? Courage. À bientôt. Ouais.